Le passé n'est pas perdu. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont encodées dans les hélices de notre ADN. Après 3 décennies de recherche, nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques. Nous avons débloqué les vies de nos aïeux. Nous avons ouvert une fenêtre sur le passé. Pour un divertissement en immersion totale. En pressant un simple bouton, vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire. Buggy Surf te présente. Bienvenue dans Helix. Où le passé devient votre terrain de jeu. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tout de retour, nous sommes de retour pour le marathon Assassin's Creed et nous sommes à Unity. C'est vrai qu'il y avait toutes ces merdes là. Putain, la croix byzantine. Je sais plus si après on peut les faire ces trucs là. Je sais plus du tout. Mais je sais qu'on est obligé de faire ça pour commencer. Donc allons-y. Jacques de Molay était le dernier membre de l'ordre héroïque des Chevaliers du Temple. Un homme de principe et un esprit brillant dont la confiance fut trahie. Dans cet épisode de Héros déchus, découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Molay à travers le regard de l'un de ses plus proches amis et conseillers. Voilà. Un ami du temple. Floirac ? Le message du conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au grand maître. Il est en séance, avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temple. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Oh, oh. Le roi Philippe a agi plus vite que prévu. L'intro de ce jeu est cool, quand même. Le pape, les assassins. En retirant le fait qu'il n'y a pas d'Oralimus. C'est fini que les cannes mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien. Ça va, le son, ou... Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste. Et encore plus tenaces. Nous ne triompherons pas ce soir. Mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sombré. Que dois-je faire ? Rends-toi à la tour. Prends l'épée et le livre. Cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître. Va ! Abaissez-le pour le vide ! Abaissez-le ! Bon sang ! Je dois trouver un autre chemin. Ah. Ah.
Ah mais c'est que des échelles. Oui. Perdu. Ah. La tour. Ils sont entrés dans la tour. Ils sont entrés, mec. Oh. Tu es l'assassin. Bordel de merde. Il y a des PV à l'infini. Clément, entends-moi. Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au Temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du Temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient tous de s'éteindre. Oui, oui, Unity est en avance sur son temps à ce niveau-là, largement. C'est bon. J'ai un visuel. Hey, salut. Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus.
Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés. Des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter. Et on a besoin de ton aide. Digon, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Helix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la ville. Que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. C'est à toi de voir. Long le chargement là. Et ouais, il y a sûrement des modes graphiques sur PC, mais sur console. Oh, ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Et Arnaud, pas d'exploration, compris ? Oui, père. Je vois de quoi parle Solo, mais je crois pas que Unity ait eu ce genre de mise à jour. Tu préfères t'asseoir à côté de ce vieux Pruno. Sur le mode graphique ou performance, je crois pas que ça y est hein, sur Unity. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon, tranquille, c'est qu'une pomme ou deux. Attrapez-les ! Ce n'est pas la figue de la sœur. Vite, dépêche-toi. Allez. Je parie que tu n'oses pas en voler une. Ah ouais, elle nous fout in the sauce. Voleur ! Remets ça en place ! Arlan, que s'est-il passé ? Repose ça tout de suite ! Elles sont destinées à Sa Majesté, et pas aux gueux comme toi. Ah ouais, super. Bon, il est gueux maintenant. Ah, je te tiens. Arrête-toi, tout qu'avons-nous là? Mais c'est une blague. Non, monsieur, pardon. C'est une blague ou quoi? Voleur, remets ça en place. Oh. Que s'est-il passé? Par ma barbe. Elles sont destinées à Sa Majesté, et pas aux gueux comme toi. Casse les couilles. Mais non, mais j'étais plus... Oh.
Après, ça me dit d'aller là. Le problème, c'est que lui, il revient directement là. Donc, sûrement que je passe par là, je sais pas. Ah non. Mais je saurais pas vous dire, hein, monsieur. On va peut-être aller voir, hein, si vous voulez, mais je crois pas. Hein. Il y a la HUD, option du jeu. Le Sang. Les options audio. Ah non, il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça, mais si. Ouais, ça, je comprends pas trop le truc de 900 FPS. Enfin, des... Enfin, des 900p, pardon. Projet du FPS. Mais regarde, regarde-moi ça. Tout à l'heure, j'ai fait le truc, le garde était là. C'est pour ça que je me suis fait cramer, que j'ai dû recommencer. Et là, il y est plus. Putain, hé, cet endroit, je le reconnais. Cet endroit, je le reconnais, messire. On y retournera plus tard. Oh. J'ai vu leur tête quand on a volé ces pommes. Je m'appelle Arnie. Elise. Je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas. Ils ne penseront jamais à nous chercher ici. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ces pommes. Viens, on va voir où ils vont. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Presse-toi ! Monsieur Franklin, j'espère que cette affaire ne ternira pas l'image que vous vous faites de notre pays. Si nous jugions les nations à l'aune des actes de leurs criminels, nous mériterions Elise. D'être traités de barbares. Viens ici, tout de suite. Père ? Arnaud, regarde-moi. Gagner sans tricher, alors il faut que tu voles, maudit chien! T'es calme, Victor, je suis juste venu pour ma montre. C'est ma montre, je l'ai gagnée à l'honnête! Ce serait ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor, mais ce n'est pas le cas. On est en France. Je vais te tuer! Oh, fais attention à toi, tu vas te faire mal. Ah j'étais justement en train de discuter avec ton frère. Hugo, va chercher la maréchaussée. Eh, pas si vite. Diable. Eh ben... Pardon, pardon. Mais cours, cours, idiot. Pardon. Pardon, madame. Allons, messieurs. Nous trouvons bien un moyen de nous entendre. Hugo, Hugo, reviens là. Papy, reviens ici. Pardonnez-lui, il n'est pas civilisé. Tu n'es pas civilisé, Hugo.
Regarde, regarde, j'ai glitché le jeu. J'ai glitché le jeu, messire, j'ai glitché le jeu. T'as crétin forgeron dans ton genre, ne sait même pas lire l'heure. Répète un peu si tu l'oses. Non. Reviens par ici. Au voleur, on parie mon lui. Vous êtes toujours là? Dois-je vous attendre? Et merci bien. Hein? C'est vrai que ça prend notre pseudo PlayStation. Ça, je trouve que c'est vraiment une idée de merde. C'est vraiment une idée de merde. On peut synchroniser ou pas? Oh. On peut pas synchroniser? Je vais te monter là-haut. Ah voilà. Oh, première synchronisation. Rejoindre le domaine de la serre. Alors, qu'on se trompe pas. Oh. Yep, je l'avais déjà refait il y a environ 2 ans ou plus, mais j'avais pas la fibre. Du coup, il n'y avait pas eu de let's play. Et là, en fait, depuis, on a refait tous les AC depuis le début. En let's play. En mode propre. Comme depuis qu'on a la fibre. Donc, là, on refait Unity. Après, on refera Rogue, Syndicate et Origin. Et on s'arrêtera là. Flemme de refaire Odyssey. Voilà, là, pour moi. On tient enfin, espèce de salarin! Ce n'est qu'un léger malentendu. Il n'y a pas. Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand? Il est entré chez moi en plein jour et il m'a volé ma montre! Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que la maréchaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier? Une accusation très grave contre votre pupille, messire. Il m'a volé! Et qu'a-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au Pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la maréchaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi? La 6e fois? La 7e? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Élise avant de partir. Élise est ici? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Il lui faudra une escorte, c'est certain, et vous avez fort à faire. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et vois si Olivier a besoin de toi. Le contraire m'étonnerait. Plaît-il? Présentez mes hommages à Élise. Ah ouais...
Et les petits sons à l'ancienne qui sont là, ça c'est cool. Abdullah, ce qui est très bizarre avec ce jeu, c'est que de base, on n'est pas encore assassin, mais on a quand même le saut de la foi. On a quand même la vision d'aigle. Je sais pas du tout. En vérité, cela ne s'est pas fait. Vous seriez surpris. Mais ça serait bien que c'était retiré, ouais. Allons-y, hein. Oula. Alors, il t'a enfin jeté à la rue. Oh, ça te plairait, n'est-ce pas? Ça me briserait le cœur. Olivier, si je n'étais pas là, qui ferait ton travail à ta place? Les chevaux doivent être étrillés. Occupe-t'en. Certainement, monsieur. Messire, messire de la serre, attendez! Nom de Dieu! Nom de Dieu, nom de Dieu! Tu as des ennuis, mon ami? Une missive, pour messire de la serre, une missive cruciale! Oh, garde ton sang-froid, Perrault. Monsieur de la serre ne risque pas de recevoir cette lettre si tu meurs d'épuisement. Confie-la à moi, je vais le rattraper. Il doit la lire aujourd'hui, c'est très... Très important, oui, j'avais bien compris. Il l'aura, n'aie crainte. Allons-y, Monsieur de la Serre, arrêtez-vous! Oh! Faites place! Le parcours de Unity. Si, ouais, ça devait... Oula! Non, mais... Pourquoi pas, hein? Monsieur de la Serre! Mes excuses, je me suis trompé de voiture. Il faut que je prenne un peu de hauteur. Être la hauteur. Ah ouais. Du coup, le point d'observation que j'ai déjà pris, je vais devoir y retourner. Pourquoi pas, hein? Quand même de sacrés sauts dans l'Unity. Hein. Le système de parcours est cool. Mais il est pas parfait. Hein. Tu fais des trucs surréalistes. Plus que d'habitude. De base, c'est pas très réaliste. Mais là, celui-là, il fait des sauts. Même Nathan Drake dans Uncharted, il les fait pas. Hein. Il ne te dit rien, la personne? Non. Le Raiden. Comment qu'il va? Oh!
Écoutez, ça va être tranquillou. Ah. Les voilà. Ah. C'est vraiment le meilleur truc. Le R de croix, R de rond pour monter et descendre était très bien géré. Après, il y a quand même des points d'appui qui viennent un peu de nulle part. Allons-y. En arrière, reculez sur le champ. Bah après, en même temps, Mirage est basé sur Valhalla, donc c'est pas étonnant. C'était pas non plus naze sur Mirage. Disons que pour le jeu en lui-même, ça allait. Ne bouge plus ou je me mets en rang. Exactement. On va pouvoir se refaire une idée de tout ça, hein. Même si je l'avais déjà fait. J'ai même refait une vidéo Tug sur le jeu. Revenir sur un avis après. Je pense pas qu'il changera plus que ça, hein. C'est vraiment dommage que l'histoire n'est pas extraordinaire et qu'il n'y ait pas d'Oranimus. Il a eu ces deux trucs là, ça aurait été certainement le meilleur, assurément. C'est vous qui me copiez par contre. Ça suffit. Il suffit, messire douceur. Ah ouais, ouais non, moi, je suis pas contre les histoires d'amour, hein, mais celle-là, elle est pas. M'a pas touché, hein, vraiment pas. Élise est vraiment insupportable. Et lui, c'est Canarman Alcolo. Source de bonheur. Vous y entendez quelque chose de l'État, Seigneur. Mon avènement au trône, c'est encore être vu sous mon règne. Une guerre dispendieuse, mais. On a été la suite nécessaire et a rendu plus sensible l'inégale répartition. On va voir, hein, en refaisant l'histoire, mais. Je crois pas que mon avis changera. Il n'y a rien ici. Se sont emparés des esprits.
et finirait par égarer totalement les opinions. Ils ont dû me suivre depuis la demeure. Si on ne se hâtait de les fixer par une réunion d'avisage. Eh ben super. Cassons-nous. C'est dans cette confiance, messieurs, que je vous ai rassemblés. Et je vois avec. Ah, vous aimez vraiment pas Arnaud. Qu'elle a déjà été justifiée. En même temps, pas ouf. Hein. Les dispositions que les deux premiers ordres ont montré. C'est pas le meilleur, hein, le Arnaud. Je vois. Et qui viendra prendre sa place? Un autre roi? Un conseil de sages? C'est là toute la question, n'est-ce pas? Une trêve alors? Diable, mais que se passe-t-il? Mon brave, je suis certain que nous pouvons régler cela sans violence, n'est-ce pas? Attrape-le, Hugo! Oh, papy, là, calmos! Calmos, papy! Tu vas faire quoi, papy? Tu vas rien faire! Avec ton Alan réveillé, là! Tu vas faire quoi? Hein? Calme-toi, grande bourrique! Tu te croyais? Tu penses encore que tu vas t'enfuir? Putain! Ils peuvent pas nous battre! C'était pas ton jour, n'est-ce pas, Victor? À votre santé, messieurs. Victor Strange et Papy Douceur ensemble. Je m'enfuis. Ah. Allez, super. Il est en train de s'enfuir. Ah oui, quand même. Ça me tire dessus. Oh. Pardon, pardon, messieurs, dames. Je... Pardon. Moi, je veux monter. J'ai l'impression de retourner là-bas. Je les retrouverai à la maison. Mais non. Mais non, c'est pas vrai. Gardez-moi ce seau. Il vole le mec. Le mec vole. Ah non, d'accord, ok. Objet à collecter. Bon, je vous mens pas, on va surtout faire l'histoire. Hein. Je sais pas si je ferai tout dans le jeu. Je ferai peut-être les... Merde. Les récits parisiens, certainement. Les missions solo et les récits parisiens, je pense que je ferai ça, ouais. Il y a moyen, mais encore. On verra. Je pense pas. J'ai pas fait le DLC du 4 avec AD. Donc je pense pas que je ferai celui-là. Je pense que les seuls DLC que je referai sera ceux d'origine. Hein.
Alors, en vrai, je sais pas si... si le DLC d'Unity vaut vraiment le coup d'être fait. Sachant que j'accroche pas trop au personnage. Encore, j'aimerais le personnage, pourquoi pas? Et même à Dewali que j'aime bien, j'ai même pas fait son DLC. Pour C4. Ah ouais. En plus, le DLC, il se passe dans ma région, je crois. Il se passe en Seine-et-Marne en plus. Ah ouais. Terrible, je connais pas. Je savais qu'il y avait un... Je sais qu'il y a un rapport avec une pomme d'Éden, je crois, dans le DLC. Mais pour le reste... Si vous me dites que c'est 1 milliard d'explorations de catacombes et une histoire useless, ça donne pas forcément envie. Bonsoir, Olivier. Est-ce que Monsieur de la Serre est rentré ? Messire de la Serre ne rentrera que très tard. Oh, fort bien. Je devrais pouvoir passer le temps en compagnie d'Élise, alors. Prépare-toi à déchanter. Mademoiselle doit assister à une réception en son honneur. C'est au palais. Une fête ? Je n'ai pas été invité ? Les chevaux non plus. J'imagine qu'elle a dû égarer mon invitation. Je trouverai un moyen d'entrer. Et sais-tu quand monsieur sera de retour ? Peut-être une heure, peut-être trois, peut-être pas du tout. Les allées et venues de mes maîtres ne me regardent pas. Alors j'attendrai ici. Ah, j'avoue, la douceur, je l'ai pas la blague là. C'est le DLC d'Unity qui a donné envie pour du Égypte. Ah, perso, ça a toujours été une envie en dehors de ça, je n'ai jamais fait. C'est la fin de Syndicate, moi, qui m'avait surtout fait comprendre et dire que le prochain serait en Égypte. Parce qu'à la fin de Syndicate, il y a un personnage un peu... qui faisait un peu penser à une momification, un truc comme ça, un truc chelou. Et pour moi, ça allait être en Égypte. On aurait dit qu'il était dans un sarcophage, etc. Unity, disunity, c'est le contraire, quoi. Ouais, d'accord. J'arrête en CP aussi, donc... Mémoire de Monsieur D'Artagnan. Le préféré d'Élise. Si je la glisse sous la porte, il la trouvera dès son retour. Voilà, remise en main propre, et presque en temps voulu. Et maintenant, cap sur le palais. Oh, je n'oserais pas arborer cette tenue dans un égout, encore moins un bal. Laissez donc, mon brave, je vais m'en charger. Oh, merci, jeune homme. C'est ça, non mais c'est ça, papy. Monsieur Maximilien Robespierre, venu seul. Arnaud, le chevalier du Telem. Invitation, s'il vous plaît. Oh, certes, j'en avais une, bien entendu, mais en chemin, je l'ai... Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Maintenant, veuillez vous retirer. Au suivant ! Je
Charles Gabriel Siver. Deux invités. Suivant, je vous prie. Eh bien voilà. Deux invités. Quelle affluence. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens pour être discrets. Heureusement qu'ils sont 1 milliard. Mais je vois même pas le feu d'artifice. Il y a pas de mode photo. Mais. Voilà. Descendez de là! Qu'est-ce qu'il veut? Laissez-vous rentrer si je m'arrête? Plaît-il? Mais certainement pas! Alors, si cela ne vous fait rien, je préfère rester là-haut. Oh non! Descendez! Seigneur, on est cramé. Vous retrouverez plus tard dans les jardins. Bien sûr. Nous sommes très nombreux ce soir. Je peine à me rappeler de notre dernière rencontre. Avoir monté à cette affaire. M'accorderiez-vous cette danse, beau gentilhomme? Merci. Un autre jour. Oh. Oh. Le vent. Ça se voit que c'est un jeu vidéo. Hein. Pouvoir se permettre de rembarrer une femme, pas un privilège qu'on a hier et là. Elle a toujours aimé qu'on lui court après.
Elle a le droit de courir et pas nous. Ah. On dirait que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise ? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteins sur moi. L'une des tenues de mon père. Et toi, tu portes une robe. Arrête, Arnaud. Engoncé dans cette chose, j'ai l'impression d'être une momie. Ça doit être une grande occasion pour que tu sois si élégante. Détrompe-toi. À dire vrai, c'est beaucoup de cérémonies, énormément de pompes. Rien de palpitant. Quand tu ne m'invites pas à tes fêtes, tout le monde en souffre. J'ai essayé, mais mon père s'y est opposé. Ton père ? Ouvrez ! Va-t'en, je vais les distraire. Quoi ? Tu me jettes dehors ? C'est compliqué, je t'expliquerai plus tard. Ne traîne pas, par la fenêtre. Oh non, 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 non. Tu ne vas pas me refaire le coup de la pauvreté. Cesse donc de faire l'enfant. Je suis certaine qu'il n'y aura pas de chien de garde cette fois-ci. Allez ! Seigneur ! Ce n'était pas la salle de billard, n'est-ce pas ? John, là, il est occupé. Il regarde la télé-réalité avec Ralou, là. Ça réacte la télé-réalité. Vous avez pas vu les messages du ralou depuis hier là ? Mais c'est pas japonais. C'est pas japonais. Franchement, qui viendrait traîner par ici ? Je sais pas. Hein. Je pariais pas contre un qu'un de ces copains va vomir sur les pieds. Tout va bien, monsieur ? Vous avez abusé du champagne ? Monsieur ? Monsieur de la Serre ? Monsieur de la Serre ! Siver, il faut partir ! Garde ! À l'aide ! Au meurtre ! Mon Dieu ! Il a tué le seigneur de la Serre. Et bon Dieu, il a tué le seigneur. Ils sont toujours aussi longs ces chargements. Hein. Sur PS5, là, quand même, le mec. Non ! C'était pas moi ! C'était Damien qui tenait le couteau ! De grâce, ayez pitié ! Ah ouais, Damien ! Où suis-je ? En enfer !
Et B. La case prison. Ouais, pas cool ça. Bah écoutez, je pense que c'est un bon point de sortie là pour le premier épisode. Ciao. À demain pour la suite sur Unity.